réponse à une notification envoyée par la HAC à des préfets sur la fermeture de certaines radios. L'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, URTEL, a fait un communiqué dans lequel elle dit regretter cette décision. Après ce communiqué, le président de la HAC, Gaoussou Koulibaly, lors d'un point de presse organisé le mercredi 25 octobre dernier dans les locaux de sa structure, a annoncé que les radios et télés pirates émettant sans aucune assignation de fréquence ou d'autorisation seront fermées sans délai. Suite à cette décision, l'URTEL a tenu aujourd'hui une conférence de presse afin d'apporter des clarifications aux propos avancés par le président de la HAC, notamment sur la fermeture pour retard de paiement des redevances des radios membres de l'URTEL. Vous savez, dans la déclaration de la HAC de la fermeture de ces radios, il y a trois catégories qui sont concernées. Le point qui nous intéresse surtout, c'est les radios et télévisions qui sont en retard de paiement des redevances. Je dis bien en retard. Pour votre information, l'URTEL n'a jamais dit à qui que ce soit de ne pas payer quoi que ce soit. Au contraire, nous avons toujours demandé à nos mandants vraiment de fournir l'effort pour aller voir la haute autorité de la communication pour trouver une solution. On l'a toujours dit. Donc, nous ne sommes pas des gens qui vont inciter les radios à ne pas payer ce que le législateur malien a dit. Donc, ce troisième point, c'est ce qui nous intéresse. L'URTEL est là pour défendre les intérêts de ses membres sans lesquels on n'existe pas, sans lesquels la HAC n'existerait pas. Ça, c'est clair et net. Il faut qu'on se dise la vérité. Et nous, nous sommes conscients de cela. Et c'est pourquoi on est contre la fermeture de quelques radios que ce soit, en tout cas une radio conventionnée ou une radio qui a commencé avec la mise en conformité, mais qui est seulement en retard de paiement. Dans sa déclaration, la HAC avait affirmé que les radios évoluant dans les zones profondément affectées par l'insécurité, notamment dans les régions du nord et du centre, bénéficieraient d'un traitement particulier. Mais, selon l'URTEL, le constat est tout autre. Au niveau du centre, on a relevé certaines radios qui n'ont pas bénéficié de ça, qui ont reçu des notifications. L'unique radio de Djéné a reçu des notifications. L'unique radio de Ténégo aussi a reçu la notification. Ténégo, où il n'y a même pas l'administration, à part le chef-lieu de cercle. Il y a trois radios de Douanza qui ont reçu la notification, sur les quatre. Aujourd'hui, quand on fait le point, on a une quarantaine de radios qui ont reçu des notifications de fermeture. Une quarantaine de radios à travers le Mali. Alors, sur la base de quoi les radios dont ils parlent, qu'ils ont eu des faveurs, ont eu des faveurs, sur quels critères? Si les radios ferment, qui va payer? Ce ne serait pas payé. C'est un manque à gagner pour l'État. Et deux, ces radios ne vont pas fonctionner. Il y a des chefs de famille qui nourrissent leur famille de ces radios-là. Donc, au lieu d'aider la fondation, la refondation de l'État, à sortir la population de la précarité, vous êtes en train de les enfoncer. Selon son président, l'URTEL a sollicité la HAC en vue d'obtenir un moratoire pour les radios. Elle a également approché le premier ministre et le ministre de la Communication afin d'intercéder auprès de la HAC pour le paiement échelonné des arriérés des redevances. L'URTEL assure avoir envoyé une demande d'audience au président de la HAC. La réponse est encore attendue.